Bonjour, je vous présente le jeu Ichi Maga. Donc dans Ichimaga, vous allez devoir accrocher les nombres, hein, les ronds dans lesquels il y a des chiffres, vous allez devoir les accrocher entre eux. Mais on ne va pas les accrocher n'importe comment. Le nombre dans chaque rond est égal au nombre de lignes qui s'étendent à partir de ce rond. Ça veut dire qu'ici, par exemple, il n'y aura qu'une ligne qui va partir. Ici, il n'y aura qu'une ligne. Alors ici, comme il n'y a qu'une ligne, c'est forcément jusqu'au 3. Voilà. Donc ici, il y en aura 3. Donc, il y en a déjà une. Donc, une autre ici. Une autre ici, par exemple. Hein? Et ensuite, mais les lignes ne se croisent pas et la ligne entre deux ronds peut changer la direction à 90 degrés au maximum une seule fois. Donc, ici, j'ai des 1. Je vais accrocher là, par exemple. Ici, je vais accrocher là. Ici, je vais accrocher ici. 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 Alors ici, vous voyez, je peux faire un angle droit, c'est-à-dire partir là, et hop, j'ai droit à un angle droit. Hein, puisque je ne pouvais pas venir ici, puisque j'ai accroché le 1. Ici, le 1, je vais l'accrocher là. Ici, je vais l'accrocher là. Donc ici, j'ai droit à un angle droit. Un angle droit. Donc ici, je vais partir comme ça, un angle droit, descendre ici. Ici, je vais un angle droit, hop. Ici, j'en ai qu'une d'accrochée, donc je vais aller accrocher ici, avec un angle droit. Ici, je vais accrocher le 4. Ici, 2, 3, 4. Ici, un angle droit. Ici, un angle droit. Et je peux accrocher ici le 2 avec le 3. Et ici, le 2 avec le 2. Et ici, le 3 avec le 3, 1, 2, donc il m'en faut 3, donc je vais remonter ici et accrocher ici au 2. Et mon 2 en haut, je vais l'accrocher ici. Voilà, j'ai réalisé Ichimaga. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.